Merci. Bonsoir et bienvenue sur L-Type, on est parti à la découverte de cet incroyable remake de Silent Hill 2 qui était particulièrement attendu, en tout cas moi je l'attendais depuis un petit moment, je vais pas vous mentir, et je suis très en hype à l'idée de l'y aller. Si je parais un peu chelou, un peu chplane, bizarre et tout, c'est normal, en fait on a absolument pas mangé de la journée avec Foufoui. Nous étions pris dans des discussions qui nous intéressaient beaucoup. Alors du coup, au final on n'a pas mangé et voilà, bon bref, je vais manger après. Et voilà quoi, ça va vous? Ça va YouTube? Ça va Twitch? Comment ça se passe, le YouTube Premium toujours aussi cher? Moi je le paye ça, je le paye le YouTube Premium pour pas me taper pub. Salut Bryce! Hello! Alors ils font des... Vous voyez des gens qui font des My Uptime, c'est pour voir à peu près depuis combien de temps ils sont sur la chaîne. 1232h47, j'ai du retard. Putain, 1232h, ça va quand même. Oh, ça va quand même. Non, c'est bien, c'est grave bien. Youalf, comment ça va? 1430, oh là là, mais merci. Merci pour ces temps de visionnage. Wesh, toi tuyau, c'est quoi ça? Ouais. Et bonjour à tout le monde en tout cas. Je suis arrivé hier. Ah oui, bah oui, 7700 heures de visionnage en 24 heures. Ça demande beaucoup d'onglets. Simultané sur le PC. J'utilise des adblocks et quand ça arrête de fonctionner, je switch sur un autre adblock. Ah ouais, sérieux? Ouais, non, moi je paye le premium, je t'avoue. Je suis un bon pigeon, moi, je suis un pigeonnier, les gars, jetez-moi des graines, il manque plus que ça, quoi. Ça va, Dexide? Hello, hello! YouTube, viens sur twitch.tv/didiboucherie. Salut Lilin, comment tu vas? Lilin Lockhart! Merci pour le sub! Salut Sidney! Attends, mais y'a plein de gens qui disent pas bonjour, mais ils font des bails uptime. Bonjour les copains! Mon annonce de Resub qui se met à jour, bien après le train ROH. Bon, sinon voilà, 74 mois, déjà ça passe vite. Hein, ça fait 6 ans et 2 mois, quoi. XDDD est fier d'être un boucher. 1368 heures à bis, putain! Mais vous me régalez, hein, vous me régalez, sérieux. Vous me régalez, salut Strator. Oh putain, Strator, tu m'as traumatisé sur Satisfactory à un moment donné. Quand je devais faire des stators, j'ai du bon temps de lurk. Ah, c'est gentil. Merci à toi, Lily. Salut, Jugglash. Hello. Alors, je regarde un petit peu. Bon, en tout cas, bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Illustrator. Oh, pas mal, pas mal. Salut, Laito. Comment ça va? Salut, Araku. Araku, mais non, t'as dit bonjour tout à l'heure. C'est moi qui plane. Merci à tous les subs et les resubs. Attends, parce que j'ai raté des trucs là. Hot 27, Happy Diff, Lenker, j'ai dit merci, oui. Elisae, j'ai un doute. J'ai un gros doute sur Elisae. John Doe, je crois que j'ai dit merci. Bafulio, les highlights, c'est bon normalement. J'ai juste oublié de dire bonjour. Ah, d'accord, ok. Salut, Chuck Morris, comment va? Salut, Artodias. Hello, salut, Vestraza. Hey. Global 4400. Nope, tu vas skip. Je suis désolé, Elisa, pardon. Tu le sais, quand je skip comme ça, en général, c'est pas que je m'en fous, c'est que je suis sûrement en train de parler d'un truc ou j'ai l'esprit occupé, tu vois. Et là, je devais parler de cul. Forcément, j'avais l'esprit occupé. Bon, allez, c'est parti. Mesdames, messieurs, je coupe le chat. Merci pour le sub. Et ben, on va aller découvrir ça. Bon, Shadow Monkey, merci à toi. Merci. Salut, Stella. Eh ben, c'est parti. New game, difficulté des combats. Élevé. Casse-tête, élevé. Pré-réglage d'interface, c'est quoi ça? Rétro, moderne. Oh bon, on va jouer en moderne. Dis donc, elles sont sales ces chiottes-là. La poubelle déborde. Où qui sont les nettoyeurs? En attendant, nous, on profite de la boucherie family. Bisous, ou vous voulez bande de coquins? Oui, mais bon, très occupé, oui. Mais c'est normal, ce sont des sujets intéressants. Oui. Ça va le TK? Hello? 770 heures, allez, let's go! Merci. Tiens, question, est-ce que dans les My Uptime qu'on a eu, est-ce qu'on en a qui ont peut-être moins de 10 heures? Tiens, moins de 10 heures de visionnage. Oh, il doit y en avoir quand même. Quand même! Non, parce que les gars, là, vous me sortez tous des My Uptime avec des 700 heures, 1000 heures, 4000 heures, c'est quoi ça? 7000 heures pour les plus fous! 1891 heures pour Chuck Morris maintenant. Moins de 10 heures aujourd'hui, oui. Ouais, aujourd'hui! Ouais! 1034. Oh oui, bah oui, repas 4h, ouais. Ouais, non, mais... repas? Le 4h, c'est pas un repas. Putain, les gars, celle-là, elle était technologique. Ah ouais. Ouais, merde, ouais, moins de 10h. Oui. Bon, allez, go, c'est parti. Moins de 10h, ça risque d'être compliqué en 3 jours, tu les fais les 10h. Bah, ça dépend. Ceci dit, ça dépend du temps de stream que je fais.
Et ça dépend du temps, du temps que vous restez sur la chaîne à ce moment-là. Salut Ripsy, salut Kanga, salut Super Licorman. Hey, hey, hey. Bon. 5926 heures. Oh, vous êtes chaud. Oh, vous êtes chaud. Une heure parce que je connais pas Twitch, DJ PTDR, t'es qui? C'est pour ça que t'es là, que t'es sub. Allez, let's go. Que je suis en train de kiffer de ouf là déjà. Parce qu'on est exactement comme le jeu de base là. Enfin, j'ai quand même un souvenir que le Silent Hill 2 il démarre comme ça. Face à un miroir dans des dans des chiottes publiques, ouais, c'est ça. En haut d'une montagne, normalement. Eh ouais, il y a les vrais zik, mais oui. Oui, c'est ça, hein, ouais. Incroyable. Ah, ça. Apparemment, le jeu, c'est une dinguerie, hein. Il paraît que c'est une vraie petite dinguerie, hein. T'as pas aimé, Kamo ? Léon, 15 ans plus tard. Wouah, l'ambiance sonore, putain, on y est, hein. Salut, Yubana ! Je suis trop content d'y aller avec vous. Je suis trop content de parcourir ça avec vous, la boucherie. Salut Croquette, salut Peach Lori. On voit pas, c'est l'intro. I see that town. Silent Hill. Je disparais sur les cinématiques pour l'immersion. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place, waiting for you. Oh là là. Ah, je suis en train de kiffer. Ah non, non, moi je suis en train de kiffer là. Vous vous rendez pas compte comment je kiffe. Et du coup, je disais oui. Je disparais que pour les cinématiques. Sinon, dans le gameplay, je serais là à la cam. Mary. My wife's name. Écoutez cette ambiance chelou, lourde un peu. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? Salut la chouette. This whole town was our special place. Mary really be here? Non, je pense pas, Kara, ça devrait aller. Is she really alive? On est d'accord pour la ressemblance avec Léon, je suis totalement d'accord avec vous. For me. Totalement. Salut Fred! Ah, mais c'est à moi de jouer! Ah! Attends! Salut! J'avais pas vu, c'est à moi de jouer! Ok. Ah putain, trop bien. Salut Bisax. Attends. Voilà, c'est bon. Ok. Vous me dites, ça va, c'est beau, c'est fluide. Il n'y a pas de déchirure d'écran, tout va bien. Oh, j'ai fermé la porte de on la voiture. On est parti pour un mois de sub supplémentaire. Part de South Vale. On va se zoomer, ok. Allez, let's go, merci. On aurait pu attendre longtemps. Ah oui, complètement. C'est beau, c'est fluide. Ouais. Fluide. Pardon. Quelle beauté. Magnifique. Ok, on est d'accord
là, à première vue, la carte, elle ressemble beaucoup à la carte du jeu de base. Soit une carte qui veut rien dire tellement elle manque de détails, c'est ça. Je veux dire, c'est tant mieux, ça te perd. Y a pas le brouillard volumétrique pour cacher les trucs à distance. Y avait un brouillard là déjà? Dans le jeu de base? Ok, bref. Y avait un brouillard ici dans le jeu d'origine? Je sais plus. Ah, ok, M pour ouvrir la map, donc ok, virgule, ok, ok, my boy. Tellement pas de différence entre la cinématique et le jeu que voilà. Non mais c'est ça, complètement en vrai. Oui, brouillard, ok. Bon, attends. Ok, ok, ok. Je sais pas pourquoi, je pense qu'on va passer une session absolument géniale, les potes. Qu'est-ce que t'en penses, la boucherie? Salut, Lucator. Salut, Angus. Si je veux aller par là-bas, mur invisible. Oui, parce que moi, je suis quelqu'un... Alors... Ah oui. Oh ah, tiens, boum. Succès. Tentez de quitter Silent Hill dans la zone du point de vue. Bam. Allez, ça commence direct avec un succès. J'aimerais préciser une chose super importante, les potes. On va pas faire le jeu en 2-3 sessions, hein. Je pense que le jeu, on va rester dessus pendant une ou deux semaines minimum. Pourquoi? Parce que je vais faire une slow run. Sauf si le jeu, il se fait en 4 heures. Mais je pense pas. Je suis quelqu'un qui, quand il découvre un survival horror, c'est un peu une spécialité de la chaîne. Difficulté max et tout, donc là on y est. Et du coup moi je prends mon temps, je vais fouiller, je vais regarder les détails, je vais regarder le décor, je vais refouiller, je vais revérifier, je vais prendre mon temps. C'est très important pour moi que les jeux comme ça, on prenne son temps. C'est comme ça, personnellement, que je trouve qu'on les apprécie vraiment. Hello Extrême, bonjour tout le monde. Toluca Lake. Ok, est-ce qu'il y a un logo d'interaction quand il y a des loot ou quoi? Tout joli hein, quand même pour l'instant. Et plutôt propre. Route closed. Ça va Exodia? On va regarder sous la jupe de Pyramid Head. Oh merde, il n'y a pas une autre jupe. Bon d'accord, Pyramid Head, viens. C'est bon, il n'y a plus que toi. On rappelle que ce type a mis 24 heures à Resident Evil. Ouais, je rappelle que j'ai fait 16 runs complètes de Resident Evil 8. 16 runs! 16 putains de runs en stream! Je suis pas sûr que des gens qui. Enfin, je suis pas sûr que beaucoup de streamers aient fait autant de runs que moi, en vrai. C'est fait avec le moteur Metal Gear? Je sais pas du tout. Non, c'est l'Unreal Engine ça, non? Ah, attends, le brouillard, regarde. Donc, attends, petit rappel de l'histoire du jeu, c'est sa femme qui est morte et vient la chercher ici, c'est ça? Non. Non, attends, c'est quoi le truc? Pourquoi on est là? Là, tout de suite, dans le jeu, je me rappelle plus. Je crois qu'on sait peut-être pas réellement pourquoi on est là pour l'instant. Salut Steph, comment va? Même moteur que les remakes de RE. Ah, c'est le Resident Engine, je sais plus comment il s'appelle là. Il a reçu une lettre de sa femme morte. Ah! Oui, donc c'est ça, sa femme est morte. Ok, mais il s'est retrouvé à Silent Hill parce qu'il a donc reçu une lettre d'elle. Du coup, il comprend pas trop. Yo! Eh? C'est qui l'imposteur là, bâtard, fils de pute? Je te baisse, moi! Salut, 20 étoiles! Ça vient tout juste de commencer, regarde. Le jeu commence sur un parking avec des chiottes. Le parking avec des chiottes, il est là au niveau des deux lampadaires devant là. Regarde. Le parking avec les chiottes est là. Il a reçu une lettre de sa femme décédée 3 ans plus tôt. Ok. Zouli, merci! Et rien de mieux qu'un jeu incroyable! Avec la best commu du Twitch Game et notre boubouche nationale, vous êtes beau! Merci pour ton resub, ma poule, c'est gentil. Merci, merci. Yo, non, le moteur, c'est bien l'Unreal Engine 5. Ah, ok. Ça fait vraiment des dingueries, l'Unreal Engine. Hein. Franchement, je suis tellement content qu'on ait droit à un moteur pareil. En 2024, on a quand même la chance d'avoir un moteur aussi puissant, quoi. En tout cas, ce qui compte, c'est que c'est joli. Oui, oui, non, c'est clair. Mais tu vois, si c'est de l'Unreal Engine 5 ou le moteur de Resident, ça me paraît très bizarre. Kaku, la boucherie, comment que tu vas bien? Ah, coucou, chat de l'enfer. Ça va, nickel. Ça va. Attention, mon poulet, on est en enregistrement, là. On enregistre une vidéo, hein, ma poule. Et ça va, mon chat de l'enfer, et toi? Et du coup, j'allais dire, ça me paraît très bizarre que ce soit le RE Engine, parce qu'il appartient à Capcom. Et là, c'est Konami, c'est pas Capcom, tu vois. Ok. Ah putain, les petits carrés rouges de sauvegarde. Mais oui, je me rappelle.
Ok, retour vers Silent Hill. Ok, on est en difficulté max, hein. Difficulté max et slow run. Salut Gael. On dirait que quelqu'un me serre le crâne. Bah desserre-le. Ça va Cocop? Vu de face, il ressemble plus du tout à Léon. Ouais, il a un visage un peu plus... Ouais, moins. C'est, en fait, c'est la coupe de cheveux qui fout la merde. C'est sa putain de coupe de cheveux qui fait ça. DJ, si tu veux une fin spéciale, sauvegarde un peu, si tu t'en fous. Fais comme tu l'entends. Oh! Bah, 7 fins différentes. On en fera peut-être d'autres, hein, c'est possible. Écoute, je sais pas. Pour l'instant, c'est une run découverte du remake. On va faire une run normale pour l'instant. Oh, Steph! Oh! Ah! Il a give up le sport. Ouais. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. Ça va au niveau du son? C'est correct? This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No. Believe you, it's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. Le mec qui sneak la nana dans un cimetière, pas fou. It's been so long since I've seen her. C'est creepy. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Putain, cette ambiance morte, je la trouve tellement cool. C'est tellement désolé de partout. Regarde, t'as l'impression qu'ils sont tout penauds, en mode « Oh, va se foutre en l'air dans les 10 minutes, la meuf, tu sais. » C'est trop bien, moi je trouve ça trop cool comme ambiance. Ça change, en fait. Écoute, les goths et les émos, ils répondent au cimetière. Ça, Silent Hill, tout est glauque. Ouais, c'est ça, tout. L'ambiance est glauque, le visuel est glauque, les personnages sont glauques. C'est la sinistrose. Ouais, qu'est-ce qu'elle me dit, là? Did you want anything else? No? No, it's just... this fog. This brouillard is troubling, no? Does it seem... unsettling? It is very troubling! I guess... Yes, you guess. Oh putain, parenthèse. Rinoc, je sais notamment que toi t'étais intéressé par mon let's play sur... sur Enotria The Last Song. Je vais désinstaller le jeu, il dégage. Il va juste aller se faire foutre le jeu. Et puis c'est tout, quoi. Softlock! Softlock hier, j'ai voulu jouer à Enotria un petit peu hors live. Je tape le deuxième boss. Je lui déglingue sa race, mais genre je le déglingue sa race. Et en fait, il se trouve que moi quand je tape, hop, je fais des dégâts de poison. En fait, je crée un dot qui fait des dégâts de poison. Et puis manque de bol, le boss il me tue, bim! Juste avant le chargement, le boss il crève des dégâts de poison. J'arrive! Je reviens dans la salle de boss. Bon, j'ouvre la porte. Le boss spawn pas. La porte se referme derrière moi. Je peux plus sortir de la salle. Terminé. Softlock. Je peux plus avancer. Ah, il est mauvais jeu. Non, on l'écoute pas. Il dit de la merde.
Non, non. Le jeu, il est noté extrêmement positif. Non, c'est pas un mauvais jeu. Faut arrêter de dire des conneries à un moment donné. Le jeu n'est pas à la hauteur de son attente, malheureusement. Non, 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 ça, je suis désolé, mais je peux pas le dire. Avec des notations extrêmement positives, tout le monde en fait des éloges dans tous les sens. À part les trois au fond de la salle qui sont pas contents parce qu'il y a tel perso qui a changé de jupe, quoi. Ah, c'est bon, tu vois. Bon, du coup, qu'est-ce que je peux rentrer là-dedans? Surtout au bout de 10 minutes de jeu, non, ce genre de discours, c'est non, quoi. Salut, petit tronc! Non, non, pas toi, chat d'enfer, pas toi. Pas toi, ma poule, pas toi. Je parle de Nico qui dit le jeu n'est pas à la hauteur de son attente, malheureusement. Non, non, ça c'est. Désolé, mais non, c'est connerie ça. Bon, je vais pas rentrer là-dedans. Bon, pour l'instant, je pense qu'on va juste avancer, il doit pas y avoir grand chose à looter. Les gens ont jugé avec le trailer flingué, mais en test, personnellement, très bon. Bah, tout le monde en fait des éloges. Tout le monde. L'ambiance, cette ambiance musicale là. Petit air du remaster de R4. Ouais, un peu. Bien vu, Aldred, bien vu ça. Autant vous dire qu'il y a quelques créatures que j'ai pas hâte de voir. Enfin, j'ai hâte et pas hâte. Genre les infirmières. On est d'accord, c'est dans celui-là les infirmières. Hein. Ouais, donc je disais, bon, chat d'enfer, t'inquiète pas, c'est pas à toi que je disais ça, t'inquiète pas. C'est juste qu'il y a des bugs qui peuvent terminer une run entièrement, comme ce que DJ a subi. En gros, juger un jeu sans y jouer, ni regarder. C'est complet, c'est pas. Enfin bref, ça y est-il. Y'a pas. Ouais, y'a pas grand monde que t'as hâte de voir. C'est pas faux ça. Salut Seda. Ah merde Seda. Après c'est un coup, c'est un troll hein, ce qu'il disait. C'est un coup, il le pensait pas, c'est vrai. Mais ça me paraît gros avec des notations pareilles et tout le monde qui crie au génie autour du jeu. Ça me paraît gros de balancer ça comme ça direct, toi, tu vois. Douma, ma vindicte soudaine. Claque la porte. Tu veux que j'ouvre le rideau? J'adore cette ambiance. Y a rien qui dépasse le reste, tu vois. C'est-à-dire que le décor, il est mort. Le sol, il est dégueulasse. Les bâtiments sont moches. Il fait brouillard, il fait gris. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je dis que c'est cette espèce de généralisation, là, que j'aime bien, tu vois. Ouais, l'ambiance du SH2 est très bien rendue, ouais. Yo, Zarchronium! C'est le nord, quoi. T'es un enfoiré. Mais t'as tellement pas tort. No trespassing. Ok, espace pour esquiver, je vois. C'est qui veut jouer aux boules? Avec des grosses quilles bien droites. Pas d'objet. Ah oui, putain, mais ça s'approche énormément d'un remake de Resident quand même. Hein. Ça fait le Konami Code. Ah, c'est quoi déjà le Konami Code? Je me rappelle plus. Oh, cette ambiance, mon dieu, ça me met mal à l'aise. J'ai décidé d'aller en ville pour faire réparer la fenêtre. Le double de la clé est dans le tiroir. Rien derrière là. Salut Seychelles. Oh oh baba. Hello. Anyone in here? Gauche entrée, il me semble. Ah ouais? Je viens de tenter, il s'est rien passé là, mais. Oh oh baba, gauche droite, B à start. Ah ouais, mais du coup ouais, non, peut-être sur PC c'est compliqué là. Merci pour le sub. Ah, c'est fermé. Attends, la clé dit dans le bureau, je sais pas quoi, attends. La double de la clé dans le tiroir.
Ah, mais on va rentrer par là. J'avais point vu la fenêtre. Ah, putain, c'est ok, c'est pas espace, c'est E pour passer. Ouh, la petite ambiance. Rien que t'entends la musique, ça me donne des frissons. Ouais, elle met mal, hein, à se dire. Ok, we got the key. Ok, ouais, clé d'autopart. Et I pour l'inventaire. Ah bah c'est bon, tab c'est pareil en fait, parfait. La touche tab c'est la même. Ok. Y'a rien à récupérer dans ce lieu. Salut Pira, ça va et toi? Ok. Ok, on peut pas passer au-dessus là, ouais, mais en faisant espace. Je sais plus si le jeu met du temps avant de commencer, on va dire. Je crois pas, hein. Il me semble que tu chopes assez vite le premier gun. Et je crois que c'est dans pas longtemps, d'ailleurs. Voilà, ces espèces de tunnels me disent un truc. J'ai joué au jeu sur Xbox 360. Là, je peux dire que je prends une claque. C'est sorti sur 360, ça? Mais non. Ça va, Rockstar? Ouais, mais non. Eh bien attends, mais il y a encore des jeux qui sortent sur 3.6. Tu confonds pas... Ah mais attends, mais tu parles duquel? Ah, mais le HD Collection. Ah oui, mais je croyais que tu parlais de ce remake, moi. J'étais en mode, mais... hein? Mais comment ça peut tourner sur une 3.6, ça? Ok, non, 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 tu parles de la collection, ok. Il faut pas de ma gueule, Destiny. T'as mis des doigts dans les cuits des ours ou pas, toi? Il y a bien des jeux qui sortent encore sur NES. Hein? Ouais, complètement, Pira. Oh, je pense qu'il y a de grosses inspirations des remakes. Je pense que Bloober ont dû s'inspirer à fond des remakes de Resident. Pour moi, c'est clairement... ours non, mais girafouille. Comment ça, girafouille? Oui, tu m'as fouifoui. Ouais, ça va alors? Enlever la planche alors. Oh, balader nos gosses, trop bien. Trop bien ça. PS2, PC en 2002, Silent Hill 2. 2002, oh là 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 là, les gars, les gars, on fait un retour en arrière de plus de 20 ans là. Bon, avec des graphismes de 20 ans après, mais imagine en 20 ans l'écart graphique qu'on a. Salut Wa, ça va et toi? Alors attends, qu'est-ce qu'on a? Atteignez Silent Hill. Ah putain, ils ont refait la carte. Ils ont refait le coup de la carte avec les petits cric 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 sur les côtés qui disent que les routes sont barrées. Ok. Bon, pas visiblement. Il y a des choses à explorer là-dedans. Récupérer la carte de l'Est de South Vale. Là, normalement, il devrait y avoir du cul-de-sac. 22 ans, merci beaucoup Dieu. Avec plaisir. Je me rappelle, je me revois encore gamin sur la PS1 de mon grand frère en train de jouer à Silent Hill 1 en étant en PLS dans le premier quand on était dans l'école et qu'on entendait l'espèce de radio qui se mettait à crépiter là. Et que tu voyais les espèces de gamins avec des griffes à la place des mains et tout. Oh là là, putain. Juste entendre le crépitement de la radio du personnage, je n'arrivais même pas à jouer. Je n'y arrivais même pas. J'avais la démo, j'ai eu la démo aussi, ouais.
Dans le 1, c'est une sonnerie, non? Non, il me semble que c'était un crépitement de radio. Il me semble dans le 1, moi. Non, parce que je me rappelle de ça dans l'école. Et que ça me mettait vraiment, ça me terrifiait. Bon, merci pour le follow, merci. C'est bien la radio. Salut à toi, boy. La sonnerie, c'est quand la ville change. Oui, c'est ça, c'est quand tu passes dans le monde de Silent Hill. Moi, j'appelle ça comme ça. Ok, qu'est-ce que c'est marqué? Madame Cassandra, un client est venu aujourd'hui et a commandé un bouquet de roses rouges et blanches. J'ai tenté de lui dire que cette association portait malheur, mais il n'arrivait pas à se décider. Il y a un truc qui s'est affiché sur mon écran à droite. J'ai pas compris ce que c'était. Attendez, deux secondes. Ah, est-ce que c'est pas ça? Ouais, si, c'est ça. Ok, pardon. Mais il n'arrivait pas à se décider. Il semblait ailleurs et me regardait comme si je n'étais pas là. Puis, il est parti en disant qu'il repasserait les chercher plus tard. Je voulais vous prévenir, car je ne serai sûrement plus là quand il repassera. On peut pas le... Ah, tourner? Ok, on peut tourner les documents, mais là, il n'y a rien. Retour. Ok. Quand le mob est proche et sirène genre bombardement quand on passe dans le monde des ténèbres. Sinon crépitement de la radio quand mob dans le coin. Oui voilà, c'est ça, exactement. Kiri, j'ai envie de devenir fleuriste, je peux. Quoi le mieux? Botaniste, on peut fumer des joints? Botaniste alors. Ah ouais. Ouais bon, si tu le fais pousser, faut bien le vendre pour faire des sous, non? Qu'est-ce que c'est? Du sang, je dirais. Non, au hasard. Le monde des ténèbres est comme se faire pipi dessus. Oui. Salut Farloop. Ça va super et toi? Ok, bon, on a fouillé ça, on a juste vu des traces de sang. Bon, on connaît le jeu pour la plupart d'entre nous, je pense. Non, tiens, petite question. Sur le chat, qui découvre complètement le jeu? Mais genre en mode, n'a jamais vu un seul Silent Hill ou le jeu d'origine ou quoi? Genre, il découvre complètement là. Alors, on a Fab, Nerkinesu, ok. Loa, ah, vous allez kiffer, je pense. Julie, Stella, Super Dylan. Ah ouais, putain, il y a quand même un peu de monde. Ah, c'est cool! Putain, je suis content qu'il y ait autant de gens qui vont découvrir le jeu avec nous. Juste vu les films. De quoi? Personnage? Est-ce que c'est un mec? Non? Je sais pas. Ah non, là tu confonds avec le film. Mon... Foufou, elle disait, ouais, mais attends, le perso, c'est pas une policière? Alors pour moi, la policière, c'est dans le film. Ok, j'ai juste montré YouTube. Merci pour le sub! Merci pour le sub! Merci Valtibar! Salut la boucherie! Salut DJ! Tu viens de te lancer sur une pépite? Profite bien! Ah, méga pépite apparemment même! Hein. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes les personnes que j'ai pas vues. Bonsoir, bonsoir. La pub facile? Oh, t'es trop fort. 19h03, elle l'a fait. Hein. Bizarre ce mur là. Je découvre. Allez, trop cool. Et bah bonne découverte à toutes les personnes qui découvrent. Et bon bonne redécouverte à ceux qui connaissent le jeu dont je fais partie du coup à la base. Enfin je connais le jeu, je m'en rappelle. J'ai pété. Je le connais plus de par cœur non plus hein, mais on va bloquer les potes hein, je vous le dis tout de suite, ça va bloquer hein. Oh je viens de te perlouser un truc. Incroyable. Incroyable. Est-ce que je parle en même temps? Okay. La question que je me pose. Ok, ouais, on est en train de définir toutes les zones bloquées. Mais je crois que je me rappelle en plus. Quelqu'un se souvient quand on a fait le jeu d'origine sur la chaîne? On l'a fait il y a. Ah, on était à côté, non? On était chez l'autre, non? Je dis chez l'autre pour pas dire le nom, tu vois. Et tout est fermé là. Allez, trop cool l'ambiance visuelle. Le brouillard est tellement stylé.
Forcément, on est sur un moteur de jeu tellement plus performant, bah le brouillard, il est volumétrique, plus ou moins, quoi. Bah, je suis pas sûr qu'il soit volumétrique, ceci dit, mais... Putain, qu'est-ce qu'il est, il est réaliste, quoi. Été 2015, je me souviens encore. Oh oui. Je me demandais comment ils allaient retranscrire le brouillard de la PS1. Bah ouais, surtout qu'à la base, le brouillard était un cache-misère, t'étais au courant de ça? Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais dans le premier, dans Silent Hill, à la base, le brouillard n'est pas un élément de l'histoire, mais d'un élément de cache-misère, parce que la console n'était pas assez puissante pour pouvoir afficher du décor au loin. Du coup, le brouillard a été créé pour cacher le décor au loin. Oh putain. Hey, wait. Ah bon, attendez, carrément, non mais bah ouais, non. Bah ceux qui connaissent la licence, non. Ils savent qu'il faut... Non, n'attends pas. Surtout quand t'as une trace de sang, à nouveau. Enfin, c'est pas vraiment du sang. On dirait une sorte de mélange de caca, de sang et de vomi simultané. Un globi-boulga. Servez-moi un litre. Oh mais, oh bah merde, je reconnais la map, il y a une copie Garry's Mod. Ouais, c'est pas surprenant, Garry's Mod, ils ont reproduit tellement de choses. Plein goût du truc, plein goût du truc. Je sais pas qu'est-ce qu'il vaut en termes d'équilibrage de jeu. Niveau distribution de munitions et tout et tout. S'il y a quand même moyen de shooter un peu ou pas, tu vois. Si tu regardes au de l'écran, tu le vois là. Ah, ça a l'air d'être une créature super agréable, non? Niveau câlin, celle-là, elle doit être super, super douce. Ta peau est si effleurée. Elle a pas de bras. Ça, elle fait pas des câlins, elle. Elle te pompe juste. Putain. Ok, mais attends, je peux pas... Oh merde, putain, mais ça s'ouvre comme ça. Hello. Ok. Moi, j'ai foncé dedans, je me suis fait peur tout seul, s'il te plaît. Hello. Chérie, le jour où tu m'entends faire des cris comme ça, pose-toi vraiment des questions, hein. Prends une batte de baseball, un gun, je sais pas, quelque chose. Mais méfie-toi, quoi. Je commence à faire des cris de chippy. Ça va, monsieur Young Top? Alors, Chippy, je parle pas de la fille qu'on appelle une Chippy, hein, je parle d'un chien de notre allée qui s'appelle Chippy. Le jeu est quand même sublime, je suis sur le cul. Il y a un commentaire qui m'a bien fait rire sur Steam. 2001, le brouillard sert à cacher les limites techniques de la machine, ça fait moins de choses à calculer. 2024, pour afficher du brouillard, il faut une machine de guerre. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai en plus. Oula, regardez autour de vous pour trouver des objets marqués avec un tissu blanc. Ce sont des points de traversée avec lesquels interagir. D'accord. Ah, en gros, genre là, il y a des espèces de lanières blanches, ça veut dire que je peux rentrer là. Ok. De toute façon, visiblement, je vais pas pouvoir aller à 36 000 endroits. Et oh, les sushis étaient bons. T'as commandé quoi, mon amoureuse? Toi pour toi. Ah oui, c'est vrai, tes ordis vos jambons. T'es là, foui, foui. Ah oui, oui, oui. Prête pour Until Dawn ce soir? Tu vas faire mourir tes personnages. C'est vrai. C'est vrai. Oh, ma mère en a mangé il y a pas longtemps, je lui dis tu manges des endives à foufouer. Pas la sortir du contexte cette phrase. Ouais, on est d'accord.
Ok. Poisson revue grande. Ah mais oui, c'est vrai. Il y en a des petites, des grandes, je crois aussi. Et là on a quoi? Ok, ça y est, les premiers loots. Appuyez sur V pour utiliser une boisson. Ok, V. On peut se baisser. Non, on peut pas. Pas d'interaction là. Ah putain, c'est un peu chelou par contre ça. Ok. Si je suis trop près, j'ai pas d'interaction. Faut que je tourne la caméra. Ok, ouais. Mais on peut pas se baisser visiblement. Salut Phoenix, salut Captain. Dis donc, le bruit que vous entendez là, on est d'accord que c'est exactement la putain de radio dont on parlait il y a 5 minutes. Oui. Ça c'est une radio, ouais. En gros, quand t'as un mob en proximité, elle fait ça. Elle fait ce bruit. Ça veut dire qu'il y a un mob. Ouais, c'est clair, boy. Quand tu reçois du heal dans un coin comme ça, c'est que c'est pas bon signe, c'est clair. Ah, les mobs de cet univers sont tellement chelous. Ok. Ma sœur. Le bâtard. Marre. Non. Je me suis jeté dedans. Attends, je connais pas encore. Non. Je l'ai dit. Non. Tu vas mourir, salvette. Oh, bâtard. C'est moi le machin, il a une zipette dans le dos. Oh, c'est une grosse zipette, hein. Celle-là, tu la tires à deux mains. Alors, non, pas sans bras. Mais tu sais, les infirmières qui se disloquent dans tous les sens là. Ouais, ouais, c'est dans ce jeu. Ouais, tu vas kiffer ta race, meuf. Poufou qui me demande si c'est dans ce jeu qu'il y a les infirmières. Oui, 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 ma chérie. L'hôpital, tout ça, c'est bien dans ce jeu. Bon, fou, c'est moi qui joue, mais c'est toi qui regarde. Ouais. Oh bah oui hein. Salut Loria. Par exemple, je pense que tu viens de tuer tout le design. Tout le design a son importance. Comment ça? Il y a une explication de pourquoi il a cette forme là le mob. C'est ça? Dans le lore du jeu, mais faut peut-être pas le dire tout de suite, c'est ça? C'est peut-être du spoil éventuel là d'en parler maintenant, non? Oui, parce que de toute façon, oui, j'ai envie de dire oui ça. Je pense que oui, parce que si c'est expliqué à un moment donné. Mais je dirais un... oui, ok ouais, donc on en parlera. Notification, mais chute, pas de spoil. Ah putain, tu sais que je savais pas par contre ça. Notification des mobs. Ah mince, attends. On prend de l'huile. Ah, lui il se laverse pas sur le bras. Ok, on peut s'en servir ensuite. Ok, gros kit de soins. Pas du tout, c'est une seringue. Ça peut être sur la bite, elle va gonfler comme ça. Ça doit faire mal. Ouais, j'ai dit ça, mais tu sais, dans ma tête, j'étais en mode. Ah, qu'est-ce que je viens de dire quoi là? J'ai eu mal. Ah, ouais, mais moi aussi. J'ai eu mal alors que j'ai pas de bite. Toi t'as eu mal sans bite aussi. Hello Dosfrog. Mais comment ça va toi? Grand message, petit grand message de l'ombre et soutien futurs parents, vous allez voir comme c'est cool. Tain, on a hâte. Mais on a hate pour... Moi j'ai hâte de ouf, mais il faut faire hâte pour deux raisons. La première, bah, d'avoir des enfants, c'est magnifique en fait. On va être parents, on va s'occuper d'eux, ça va être trop bien.
Mais Foufou, il a peut-être un petit peu marre aussi du ventre là. On commence à tirer un petit peu là. Mais en attendant, ils sont que à toi, c'est vrai ça. C'est des jumeaux, ouais. Alors, vrai ou faux, on sait pas encore. Ok, il y a de l'huile ici. Attends, je suis un gosse de 4 ans! Moi, je casse les vitres! Mais casse la vitre avant, putain! Remboursé, Jojo. On peut pas péter la vitre avant, c'est un jeu de merde! Salut Timolf, Silverox aussi, comment ça va? Ouais, donc pour Enotria, pour finir, Enotria The Last Song, je suis dégoûté parce que moi qui adore les Soul-like, moi qui espérais pouvoir faire un petit let's play avec vous à l'occasion, eh ben elle va se prendre un doigt dans le cul, le jeu il va dégager, bah, il est, de toute façon il est déjà désinstallé. Hein. Parce que prendre un softlock sur un boss comme ça, ça fout vraiment les boules, croyez-moi. Surtout que clairement, c'est vraiment violent ce que j'ai pété au boss. Ok, on peut pas ouvrir là. En petit bag, pas de touche pour se baisser. Il est aussi bien que l'ancien. Ou je sais pas encore, mais ça démarre aussi bien que l'ancien pour l'instant. Boîte d'allumettes, lire. Nelly's bar. Vas-y. Promiscuous girl. Remember you. Oui. De celui quoi? Merci pour le sub. Des bisous mon bazou. Ah, c'est remake ça. Là c'est pas reboot, c'est à dire qu'on a le même jeu mais tout a été refait, les graphismes, les dialogues, les persos, tout. Ça aurait été rigolo qu'il fasse une sorte de version old school avec une pression de touche. Y a des remakes comme ça où ils le font. Où t'appuies sur une touche et paf, tu passes en mode PS1. Et là, ah, je suis en train de vomir des sourcils. Tu vois. Rebouquette. Loulou. Merci à toi, Dos Frog, ma poule, merci beaucoup. Valtimar, je t'ai dit merci tout à l'heure. Il y a un quart d'heure quand même. J'ai un gros doute là. Yomana, je crois que oui. Oh, c'était marrant un peu. Non, c'est marrant parce que moi je connais. Non, j'ai pas sursauté. Non, du tout, Yoko, non. C'est dans celui-là où ton perso il s'est pété le bras. Oui, oui, c'est ça, Destiny. Bah, 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 bah. Ok, on a une sauvegarde juste là. Moi j'aimerais bien un petit gun. Est-ce que ma réputation de joueur de survival horror va toujours me suivre sur ce jeu? Cette capacité à économiser un max de balles et tout, tu vois. On verra. Non, parce que je vous rappelle qu'à la base, dans ce jeu-là, moi, je mettais deux balles au mob. Dès qu'il tombait par terre, je le massacrais à coup de batte de baseball par terre. Oui, j'allais très souvent dans le menu pour changer d'arme. C'est ce que tu te demandes. Elle est chelou, cette façon de save. Elle était comme ça dans le jeu de base. C'est, pour le coup, c'est exactement la même. Y'a rien là. Ah les gars, on a un problème. On a un gros problème. On peut pas aller plus loin que là. On peut pas aller plus loin. Pourquoi? Oh, je suis marrant. Oh, mais y'a un stop. Bah ouais. Bah, je suis drôle, non? Magie. Oh, t'as fait des bruits de bouche là-bas, j'aime pas. Y'a des bruits de bouche, les gars, vous les entendez comme moi ou je rêve? Shelton, sors de ce corps! Mais comme Dora, on regarde la carte. On peut péter ça? Oh! Oh, mais on peut passer dedans et tout! Oh, stylé ça! Ok, y'a un document là? Je l'ai encore vu, du moins je le crois. Il dit que c'est faux, mais je ne sais plus, je suis KO. Je ne trouve pas, peu importe. Encore ce bruit de grattement. Il s'est volatilisé. On verra s'il y en a qui ont la ref. Salut Céline, salut Nana.
Je suis sûr qu'il y en a qui ont la ref. Salut Ardem. Hello la boucherie, hello boubouche. Salut Tétanos. Et coucou Ardem, merci de ton resub. Non, pour l'instant personne m'a sorti de nom qui prouve qu'ils ont la ref. Le barbier pour la barbe de schlag du perso. Du perso, ouais. La barbe de schlag de boubouche, ouais. Salut la boue, salut Balkavien. Bon, y'a rien d'autre à looter, hein, là. J'ai un peu emmerdé, hein, quand même. Péter une vitre juste pour avoir un document à lire, ça m'emmerde un peu. Y'avait rien derrière, attends. Attends. Ah non, on peut même pas la prendre dans les mains. Y'a bien le jeu. Écoute, nous on est au tout début du jeu, là. Et pour l'instant, c'est aussi excellent que le jeu de base, hein. Max Guys, merci Julie. Bien vu. Vous... En fait, Foufou, elle avait jamais tilté sur ça. Oh. Bam. Non. Non. Bam. Bam. Oh, ta gueule, saloperie, enculé. Violent avec ta... Meurs. Meurs. Et meurs encore. Je te brise les couilles, moi. Bam. Bam. Crève. Attends, mais y'a des... Je rêve où y'a des talons. Foufoué, t'entendais des bruits, hein. Coquine. Tu veux ouvrir? Tu veux que je t'ouvre? Ah, y'a un bout de commande. Attends, je t'ouvre grâce au carton du drone. Crie pas. Ouais. Oh, cette pose de super-héroïne. Un pied sur la marche en mode. Alors. J'arrive à boucher, j'arrive. Attention, il va s'ouvrir au bout. What? Il a eu quoi l'écran là? Tu l'as vu, hein? What the fuck le boucher? Limite à croire que c'est à cause du rideau. Ok, bon bah c'est bien, ça va. Ça va vous? Bon, ça va, on a un écran qui est devenu noir, qui s'est rallumé, tout va bien. Ouais, donc du coup, putain, c'est étonnant, je suis en train de me rendre compte au niveau du design, mais il y a des talons là en fait, c'est une meuf. Mais c'est une meuf ça en fait. Cette pute. Non, cette petite pite. C'est ce que je disais. Mais je peux pas dire pourquoi maintenant. Oui, qu'il y a un design, mais justement, c'est depuis que tu m'as dit ça en fait, que je commence à regarder un peu plus en détail comment ils sont faits, les mobs. Je pensais pas qu'il y avait une vraie signification complète autour en fait. On va prendre la thune, frère. Utiliser. Ah. Oh, avec un ticket de caisse. Salut Didaxer, ça découpe et toi? Tiens, saloperie. Bam! Crunch! Mets à toi! Pompadoum! Bam! Demise! Ce que tu as, visiblement! Bam! Ça s'appelle une paire de couilles! Bon, y'a rien d'autre là. Après j'ai... Oh bah attends, si là. Putain, faut vraiment péter du décor parce que tu vois l'interaction n'apparaissait pas, hein. Bon du coup inventaire. On peut cliquer pour ce... Ah dommage. Ah mais attends, si d'accord. Ah mais putain, mais en fait ok. L'inventaire il est à peu près comme avant en fait. Ok. Pierre, pièce arborant le logo du Nilis Bar. Ok. Bon, il doit y avoir un... Il n'y a pas de jukebox. Je cherche la jukebox, moi. Ouais, complètement, Didaxer. Complètement. Ah, mais attends, je peux passer peut-être dans cette porte, j'ai pas vu. Non, elle est fermée.
Il a fait une American History X. Cette scène. Quoi dans ton truc là-bas? T'as ta salade? Une salade. C'est pas pour moi. Merci pour le sub. Mais donne ta salade. Youhou, bonsoir DJ, continue à ce que tu fais, à nous donner des frissons et du rire. Let's go Radiard, Mister merci Banane, merci les potes pour vos resubs. Bonsoir DJ et la boucherie. Hey, c'est toujours un plaisir de laisser mon prime ici. Merci, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Attends. Ah mais j'étais au bon endroit. Ou ça veut dire que je l'ai terminé la zone là. Attends, parce que tu vois, y'a un truc qui m'interpelle, regarde l'espèce de logo validé là. Le pote, il est en paix. Il a du mal, oh, il a du mal. Il est un peu fatigué. Dommage qu'il n'y ait pas tout le décor qui se transforme en dimension parallèle. Mais si, je pense que si, mais après. On est au tout début du jeu là. Oh putain, DJ, il est devenu un vandale. On me le dit souvent. Attention avec les vocaux, s'il vous plaît, on est en enregistrement. Ah, mais on peut vraiment aller dans tous les trucs qui ont une vitre, quoi. Bon, celui-là, je suis rentré tout à l'heure, mais... Là. C'est quoi ça? Mais c'est quoi? C'est fragile! Mais je suis un putain de fragile, c'est quoi? La réaction! Boum! On peut rien faire avec? Après avoir joué à Silent Hill 2 Remake, DJ a fracturé plusieurs endroits et cassé toutes les vitres. Dans quel but? D'aller lire des documents. Et super efficace, super propre. Attends, bon. Un super efficace, super propre fait disparaître les tâches d'hier. Disons, pour l'instant, je fouille des zones, mais à part trouver éventuellement un petit île, je vois pas ce que je peux y récupérer de plus, quoi. Là, c'est open, donc c'est pareil. Ah. T'as vu les malins? Je peux rentrer ici. Putain, ok. Document. En mars 1965, la ville de Silent Hill a reçu la visite de l'association de recherche psychique du Maine. Après une étude soigneuse, une équipe de sourciers experts de l'association a conclu que la zone entourant la mine de charbon de Wills, désormais historique, était hautement active. Elle a aussi expérimenté ses espoirs de recherche plus poussés et d'exploration de la gorge. Ok. Cependant, ces espoirs n'ont pas abouti. Le site ayant été déclaré réserve naturelle historique par la société historique de Silent Hill. D'autre part, les habitants étaient réticents envers ce projet, arguant que la nature des recherches de l'association nuirait à l'activité touristique du secteur. Le fait de mettre en doute la crédibilité de nos recherches en se retranchant derrière le tourisme est une excuse pour nous empêcher de découvrir ce qu'il y a vraiment là-bas. A déclaré l'un des chercheurs. Hello les copains, salut Preda. Malheureusement, aucun représentant local n'était disponible pour commencer cette actualité. Note de l'éditeur. Au moment de la publication, il n'y a aucune preuve tangible quant à l'existence de la radiesthésie et à l'efficacité des méthodes de sourcier. Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas le point de vue de son auteur. Moi, j'y crois zéro à ces trucs. Tout ce qui est radiesthésie et machin, moi, j'y crois zéro. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer pour moi? On va pas ouvrir d'ici du coup. Mais en vrai, je pense vraiment que... Est-ce que je serais pas en train de fouiller un peu trop tôt le jeu là? J'ai l'impression de fouiller mais que ça sert à rien ma fouille là.
À part trouver éventuellement un document de discussion ou quoi. Elle a la gorge, elle est profonde. Oui, bah c'est ce qu'on espère à un moment donné, je veux dire, les sensations, merde. C'est bon. You seem... Faut que la radio elle s'arrête hein. Si la radio elle s'arrête pas, c'est qu'il est pas mort le mob. Donc t'es en train de me dire que dans celui-là, c'est même plus une information ça. Oh le bâtard. Attends, t'es en train de me dire que c'est pas une indication dans celui-là. Les bâtards. Utilisez. Ah les bâtards. Il me faut plus de heal que ça hein, par contre. Ah ouais probablement Bekouinski ouais. Ah ouais probablement. Dommage, on aurait pu rentrer par là mais on va rentrer par là-bas. Ok. Document, je peux le lire. L'homme était encore là. Je lui ai rappelé qu'on lui avait dit de ne pas revenir ici. Il a fait semblant de ne pas comprendre ce que je disais. En tout cas, il s'est levé puis est parti. Il n'a pas fait d'esclandre, mais quelque chose en lui me fait peur. Quand j'observe son visage, j'ai l'impression de voir un masque. Il y a quelque chose en dessous qui n'attend que de sortir. Je ne veux pas être là quand ça va arriver. Quand ça arrivera. Ah ouais, moi j'ai lu... genre sans pression. Bah ouais, qu'un bobo cul, tout va bien. Ça va la boucherie, ça va le chat. Oh bâtard. Putain, il a fait un double. Il va me tuer. Ah la pute. Putain, c'est le bas. Non. Oh le bâtard, je l'ai pas eu. De forcer à me battre encore à corps et tout pour avoir l'habitude par la suite. Vaut mieux perdre du heal tout de suite et ensuite être beaucoup plus à même, on va dire, de se défendre plutôt que de ne pas apprendre à se défendre tout de suite et se retrouver dans des galères ensuite. I got the heal. Il gogolise un peu là-bas. Une gogolise. Putain, sans lumière, c'est la merde là un peu. Oh le bâtard. Non mais j'ai esquivé. Meurs. Ouais, c'est ça, Dildrake, exactement, avec des ennemis bien plus compliqués et tout, c'est ça, exactement. Tu t'es soigné avec ta seringue, mais t'as chopé le tétanos. Oh merde. Alors, le problème, c'est que dans un univers comme ça, tu préfères quoi, choper le tétanos ou te faire bouffer le cul par une créature avec une fermeture éclair à la place du cul, tu vois.
Salut la Madena, tu peux cadran rouge dans les options si tu veux plus d'immersion DJ, tu auras le sang sur ton blouson. Ouais, carrément, je vais le faire. Ça, merci pour que, comme information parce que ça m'intéresse ça. Alors attends, qu'est-ce qu'on a? C'est où? Commande langue, accessibilité, mode daltonien, mode graphique par défaut, flou. Accessibilité, je dirais. Non? Gameplay? Je vais le trouver. Enlever Vino, niveau de sang, de niveau de santé. Ah, c'est niveau de santé qu'il faut virer. Ok. Niveau de santé. Si vous le voyez, hein, vous me dites. Je pense pas que ce soit là-dedans. Ça doit être plutôt dans le graphisme alors. Effet visuel de l'inventaire, afficher le point central, le contraste élevé. Dans le gameplay peut-être, premier onglet. Ah, y'a. Visibilité, épaisseur, opacité du réticule, munition. Ah, vignette de santé basse. Merci, c'est ça, vignette de santé basse, nickel. Nickel. Ah, je préfère largement sang. Bien vu, bien vu. Bon, alors, je suis censé aller où, là? Là-bas, hein. Mais d'accord. Sauvegarde, sauvegarde. Ah, tu me diras. Attends, j'ai pas validé le fait que ce soit bloqué là-bas. On va continuer dans ce sens pour l'instant. Il faut absolument que ce soit indiqué sur la map, tu vois. Oui, ma gueule! Je vais à la gauche. Oui. En plus, c'est là-bas que je suis censé aller, visiblement. Donc, tu sais quoi, on va aller là-bas. Faut que j'arrive à le faire sans me faire hit. Je vais te tabasser. Et encore. Et toujours plus. Oh là là. Oh, c'est pas assez. Encore un petit peu. J'ai pas fini. Encore. Merci. De rien. Okay. Est-ce qu'il y a des magasins là dans lesquels je pourrais rentrer? Oh putain, un magasin informatique, frère! Un autre petit coup? Ah, si tu veux, salut Bobby Jiray, comment va? Bam! C'est bon, il est mort. DJ, t'aurais pas sorti toute ta rage sur ce mob? Toute ma rage? Tu m'as jamais vu énervé alors? Ouais, genre j'ai pris le dé. Non. Yeah. Un Xiubu qui me fait peur avec sa grosse tête. Non. Tu me fais peur. Voilà. Quand t'es mort, quand t'es bien, crève hein. Meurs. Meurs. Putain, y'a encore un grinceur de cul là-bas. Oui, parce qu'on dirait que c'est un cul qui grince. Ne me demandez pas d'où je sors le cul qui grince. J'en ai aucune idée. Non. Dégoûté. Putain, c'est chaud. Putain, c'est chaud. Oh, je suis mort. Non. Bonjour, Fufui. T'as du beau pain. Bon, faut vraiment se méfier quand même parce que ça peut vite être compliqué.
Ok, ah ouais, d'accord, on reprend vraiment là. Ok, bon, tu sais quoi? Pour l'instant, tant qu'on n'a pas d'arme à feu ou de trucs comme ça, on va peut-être pas faire tous les mobs qu'on croise non plus, tu vois. Comme ça, on peut économiser quelques heals. On va le refaire, on va le refaire. Ok, nice. Il faut que j'apprenne. Pourquoi? Y a pas moyen de bloquer. On peut esquiver vers l'arrière. Ah, ça doit être ça le truc. Ok, sur le côte-côte. Tu te cabasses ta mère, mon! Bam! Bam! Yo, monsieur J-Wix! Désolé pour hier, poulet, hein. Ouais, je vais pas passer ma journée sur ça. Tu doutes bien, ma poule, hein. Je vais pas passer ma journée là-dessus, hein. Surtout pour un serveur où vous êtes deux à jouer dessus. Bon, y'a d'autres prios, quoi. Bam! Crève! Merde! Ok, c'est bon. Je crois que je commence à choper le truc. Je pense que je chope le truc doucement là. Oh my god, it is closed! Oh oui, Destiny, fais-moi des clins d'œil et je te bouffe les pipettes. Oh! Où est-ce qu'il est? Il est mort le cafard! Saloperie de cafard! Fermé. Ouais, tout est fermé là, on pourra pas rentrer. Tu es où là exactement? Ah oui, d'accord, je suis déjà en train d'explorer une autre zone moi! Incroyable! Vous pouvez briser les vitres pour trouver les. Putain! Fais faire une connerie moi! Voilà! On est d'accord que c'est le troisième sans me faire toucher là! Hein. À la boucherie! C'est le tout début du G-Wix, ouais! On a même pas encore de flingue, on a rien! Là, on découvre Silent Hill et on découvre des bizarreries! Des créatures toutes de fermeture éclair vêtues, quoi! Putain, on dirait moi quand je suis bourré quand il marchait, lui! Voilà! Voilà! Des bourrages 24, alors va te faire foutre. Alors, le va te faire. Aïe! Attends, il m'a fait ultra mal là. Attends, le va te faire foutre, il était pas vraiment pour toi, il était pour le mob. En fait, ça tombait bien pour tous les deux. J'ai trouvé que ça vous allait bien à vous. Non! Ça va être une galère là! Hein. Wouah, mais je suis dans la merde! Wouah, salut! Comme dirait Foufoui, salut! Oh là! Ouais, la porte qui ouvre les ténèbres, je sais pas quoi, dans les méchants. C'était une phrase un peu de ce genre. Donnez-moi un gun, s'il vous plaît, comment ça me les... Alright, bitch! Voilà, nickel. Au revoir la cadette, c'est ça, super cadette, eh. Mais j'ai une super copine. Moi j'ai une copine cadette. Toi t'avais une copine mouche. Des chevaux. Ok, attends, on va aller regarder dans la bagnole là vite fait. Rien là. Rien. Merci sur le siège. Et je vois rien là non plus. Un coup de la boucherito.
qui ressemble à la chaîne, merci à toi, Aku. Oh merde, pardon, excusez-moi pour la carrosserie. Bon, faudrait que je récupère les heals de tout à l'heure, si je peux. Yo, Dark Titan. Faudrait que je récupère quelques heals. Alors, on pouvait pas rentrer. Ok, donc ça on l'avait vu tout à l'heure. C'est ça, hein. Un peu revenir ici, un peu ce que je disais. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. This is good. Et, ah, merci pour le heal gratuit. En même temps, s'il était payant, frère, je le prends pas, frère. Ok, lui là, faudrait qu'il vienne. Come on, bro. Faut que j'arrive à le faire sans me faire hit. J'y arriverai pas, mais il faut que j'arrive à le faire. Tu m'emmerdes là, hein. Tu veux pas venir dehors? Vas-y, viens dehors là. Comme ça j'essaie de me fighter là, tu vois. Ok. Non, putain, il est passé en mode larve. Viens là, la larve. Le lombric. Putain. Violent. Violent. Salut FBMAX. Je disais, t'as vu les reflets? Je vais partir au niveau de l'eau, c'est vraiment bien fait. Il y a du ray tracing. Ouais, ouais, on est sur du ray tracing là. On est sur du pure ray tracing. Oh là là, j'avais pas tourné ma tête à gauche encore. Et vous là? Vous là? Oui, vous? Femme parfaite? Vous êtes belle? Et vous sentez bon? Et moi je suis beau? Ouais, t'es beau mais tu pues! T'es belle juste parce que je suis beau, d'accord. Même si je suis pas d'accord. Alors attends. Où est-ce que j'avais looté tout à l'heure? Tu sais dans quelle rue que j'avais looté un max de heal là? Enfin, un max de heal, je me comprends, il y en avait deux quoi. Ici? Là je sais qu'il y a des... Ah putain, il y a eux là! You're dead! Salut Ankylostoma, comment ça va? Casse la porte moi! Casse la porte moi! Oh non, hein. Ah non, hein. Je crois que j'étais Keblo. Il n'y a rien à looter, là, bordel. Il n'y a rien. Nothing. Nothing to see. Nothing to loot. Casse la porte, casse la porte. Mais je voudrais bien, moi. Mais je crois que j'ai pas assez de force dans mes biscottos. À droite. Ah oui, d'accord, c'est genre close. Bon, au moins, il y avait là. Ok, ça on avait fait le document de tout à l'heure, je l'ai lu. Et j'ai été particulièrement déçu, je crois. Oui, c'est ça, j'ouvre un placard, il n'y a rien dedans. Oui, oui. Non mais toi, t'as refait une connerie? Oh non, t'en as foutu partout? Ouais, ouais, ouais. Non parce qu'hier, fouille, en fait... Hier elle m'expliquait, enfin il y a quelques jours elle m'expliquait, putain c'est un truc de dingue, elle l'avait lu. Mais en gros plus t'approches de la fin de la grossesse et plus tu fais des conneries, t'es maladroite et tout tu vois. Ah bah fallait voir hier hein. Oh putain, elle a de la confiture, du chocolat, des taches de machin, elle a pas arrêté. Elle a pas arrêté celle-ci. Qu'est-ce que tu branles? Oh non, elle a un fouillé en son clavier. Elle est morte de rire. Non! Attends,
Dans le doux, je pense que je vais me heal quand même, parce que là, ça craint. On va prendre un super heal. Un super méga heal. Oh, oh, j'ai chaud. Allez. Et là, on se fait plus vite. Ah, je te déglingue, moi. Je l'embrique. Sacré fouille-fouille, on va aussi fouille. Hello, Vortex. Mais c'est super fouille-fouille, tout est normal, ça va, ça va. T'es fouille-fouille, tout va bien. Ok, là, y a plus rien. C'est bon, normalement, c'est bon. Salut Gogis. Bonsoir, bonsoir. 20h30, les potes, je rappelle, on part sur la suite d'Until Dawn. Suite et peut-être la fin, mais ça, je vous le promets pas. Mais bon, on est pas mal, là. On va aller tout droit et à droite. Pour être sûr qu'on a fouillé. Fouillé. Oh, bon, bon. Oh, le chapeau. Oh, beau chapeau avec des fleurs. Wow, l'effet là dans les... Oh, c'est très joli l'effet ici. J'aime bien. Ok, là il y avait des insectes. On a déjà... Déjà fouillé. It is already done. Salut Rorondois. Alors, ce fameux Silent Hill, ça donne quoi? Stormlord Satisfactory. C'est trop bien. Pour l'instant, c'est trop bien. On est sur le jeu qu'on pouvait attendre, qu'on pouvait espérer. On est sur exactement le jeu avec l'ambiance lourde. C'est chelou, c'est moche, il fait gris, il fait du brouillard partout. Les mobs, tu sais pas pourquoi, mais ils sont là, ils ont cette forme-là. Enfin, on est sur un pur survival comme on pouvait l'espérer. Ouais, bon, écoutez, je vais avancer, hein. Je pense qu'on est bon, non? Petite sauvegarde en avance. La shribou, la shri-shri, la boubou. J'ai fouillé au fond. Ouais, j'ai fouillé, vraiment. La shribou, bonjour, oui, oui. Oui, 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 oui. Bonjour. Par là, la save, normalement. Il y a des bruits derrière moi que j'aimais pas bien. Comme des bruits des bruits de bouche. J'avais fait ça vite la dernière fois parce que je devais partir, mais il manquait que des... Ah, bah je te redonnerai tout, ma poule. Tu me dis ce qu'il te faut, je te mettrai le truc. J'ai pas fouillé les voitures, je suis un connard. Thierry, je suis un connard. C'est pas vrai. T'es sûr? Ça va, t'en fous pas dans ton clavier, ça va? Bon, allez, on avance. Let's fucking go. On va avancer à gauche. Ça va, LexCorp? Hello. Ok, ok. Oh putain. Non. J'ai raté la larve. Pète-y son cul. Pète-y son cul. Le cul. Ouais. Ouais. T'as save, Boubouche? Je crois. Rassurez-moi, j'ai save là. Ouais. c'est bon, c'est save. Genre. Peut pas y avoir un petit un double lance-roquette à l'intérieur de ce véhicule de police. C'est surprenant. Quoi? Ils ont pas tout ça, les flics? Bah écoutez, je savais pas. Ok, encore un là.
devant la compagnie de danse. Ah, il m'a hit, hein. Ah, en fait, c'est ça, c'est deux. Le troisième coup, il le met en même temps que toi. Salaud, salaud. Ça va, Exodus, hello. A plus, Julie. La bonne soirée, la bonne soirée. There we go. Ok, là, on arrive vraiment tout au bout de la zone. Est-ce que c'est fermé là-bas? Oui, je vois un mur d'ici. Enfin, je crois. Ah, ou alors... Ouais, si, il y a un mur en face, là, normalement. Il n'y a pas moyen de faire des coups chargés, je me rappelle plus. Ah, l'enculé. Ah, putain, mais je... Ah non, tu manges, je vais pas le dire, mais... Mais j'arrête. Comment? Ah ouais. Bah visiblement il sort aujourd'hui, hein. Non, hier c'était l'omelette. T'as avant-hier le cassoulet. Tu te rends compte? 2 jours pour sortir de ce cucu, eh. On s'est fait un cassoulet avec Foufouille avant-hier. On s'est fait un cassoulet avec hier... Non, c'est compliqué, hein. C'est pas une phrase française. Rien, y'a pas un petit île là, rien. On dirait moi un lendemain de soirée bien arrosé. Que tu pètes dans tous les sens? Ton cul c'est une arme? Regarde ça. Ça c'est fait pour être... Hop! Come on! Oulala, attends, je fais pas le malin. Bon, tu me diras ça crépite pas pour l'instant. What is it? Happy Burger? Vous avez de faim, de loup? C'est plus fort que vous? Foncez! Happy Burger ont tout ce qu'il vous faut. Vous êtes prêts? C'est... Prenez à emporter. Destruction massive. Ah, j'ai un cul très dangereux aussi. Ah, le petit île là qui traîne, parfait. Ok, j'ai 3 îles. 3 îles. Ah, mais attends, mais j'ai déjà fouillé ça. Attends, elle me dit rien la zone là. Meurs! Il va se réveiller, 100%. Du coup, on s'est cassoulettisé. Ah oui, complètement, oui. Bah, je sais pas, tu pètes, toi? Non? Bon, moi, je pète, hein. Ah oh, non, t'es une fille, tu pètes pas. Pour ça. Pété hier. Ah. Qu'est-ce que je disais? Oh là là, les bâtards. On va faire trop le malin là-dedans, là. Je sais pas s'ils passent les... S'ils passent les fenêtres comme ça. Ah bah voilà, j'ai ma réponse. Putain, t'as eu de larves. Oh, faut que je fasse gaffe, y'a l'autre dans mon dos, là. Oh non, mais c'est grave. Non, mais c'est violent, là. On va se heal. Ok, au revoir. Oh, j'ai pris du tarif, mon pote. Non, mais qu'est-ce qu'il fait, hein? Complexe, hein. Putain. C'est complexe dans le sens où... J'y passe déjà beaucoup de heal quand même. T'as fouille ça. Non? Bon, d'accord. J'essaie de trouver un coupable, ben... Salut Asmodeus. Ah, on a acheté des Blu-ray aussi, hier. On a acheté Terrifier 1 et Terrifier 2. Bon, on a pris Matrix 4 aussi, mais oubliez celui-là. Oubliez ça. Je sais qu'il est considéré comme pas bon. Mais bon, j'ai tous les autres.
Si, c'est mieux d'esquiver les babas. Si, si, bien sûr que si, Ridoc. Après, c'est moi qui m'entraîne aussi à les fighter, quoi. J'apprends à les fighter au corps à corps, quoi. Bon, tout ce qui est économie de... Non, bah attends, c'est abusé. Allô, il fait quoi, le perso, là? Bon... Bon, bah dis donc, trop utile ce que je fais. Matrix 4 n'existe pas à ce point, là. Non, mais attends, c'est grave, là. Là, c'est grave ce que je prends en dégâts, quand même. Oh, c'est les premiers mobs du jeu, hein. C'est de loin les mobs les plus simples du jeu, ça. Il est aussi bon que la gerbe du mob. Ah ouais, c'est à ce point-là. Bon, oh, je l'ai pris au moins pour avoir la collection complète, puisque j'ai les trois précédents, mais... T'as bien aimé le 4, ouais. Bon, ça me rassure, ça veut dire qu'il n'y a pas que des gens qui le détestent, aussi. Hello, Sam. Tout à l'heure, j'avais pas trouvé un méga heal. Et qu'il y a... Comment? Ah oui, par contre, j'ai pris un grand classique de la science-fiction. On va voir. Le chat, j'ai pris un excellent... film de science-fiction extrêmement connu en Blu-ray. Pas Dune, non. J'ai fait le 2 original, bien sûr, à Tsuki. En stream, en plus, je l'ai fait sur la chaîne. Non, pour l'instant personne ne l'a. Non, pas 2001. Non, non, Starship on l'a déjà. Oh, on l'a en DVD d'ailleurs. Faudrait qu'on le prenne en Blu-ray celui-là. Alien, non, déjà. Non, Ghost of Mars, non. Star Wars non plus. Ah, ah. Science-fiction, hein. Pour l'instant personne ne l'a sur le chat. Non, personne ne l'a pour l'instant. Attends. Comment ça, Dariamo, tu connais le film Blade Runner? Attends, ça s'appelle pas Coureur de l'âme chez toi? Parce que bon... Un Trek Alien... Non, personne de là pour l'instant. Tiens, c'est fou. Salaud. Faut que je retourne voir un truc, parce que le problème, c'est qu'il y a un gros heal, j'ai l'impression que je l'ai pas, je sais pas pourquoi. Dieter Avatar, Mars Attack... Non, salut des rats. Non, 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 rien de tout ça. Back to the Future, on a les trois en Blu-ray déjà. Judge Dredd, Total Recall, Ace Ventura... Personne de là, c'est fou. Pourtant, on parle quand même d'un sacré film, hein. Ah ouais, on parle quand même d'un sacré film de science-fiction, hein. Le problème, c'est que si je sors juste dans quel environnement le film se passe, ils vont trouver direct. Predator, Independence Day, Ready Player One... De quoi? Oui, il y a un thème. Ça se passe sur la planète Terre, mais ça se passe pas sur Terre. Non, personne de là, personne de là. Non, Doom, mais on parle d'un classique, pas d'une bouse. Hein. Ah, il est pas bon Doom, le film. Blade Runner, Armageddon, Planète des Singes... Non, rien de tout ça. Je suis surpris que personne me l'ait sorti jusque là. Franchement, quand vous allez voir... De quel film je parle, vous êtes en mode... Ah ! Enfin, je pense. Il y a beaucoup d'eau dans le film. Ah ! David Dragon, merci ! Abyss ! Qu'est-ce qu'il est ouf, ce film, Abyss ! Oh. Ah mais non, je suis un débile, en fait je suis un débile. Le... Pourquoi? C'est vrai, il y en a plein qui connaissent pas? Ah ouais? Eh ben go mater ce film. Alors je vous le dis, c'est 2-3 heures de film. Il est exceptionnel. La version longue vaut le coup. Bah ben, nous on a pris le Blu-ray, je t'avoue, j'ai pas regardé si c'était une version longue ou pas. Bon bah ben, je suis revenu là pour rien, puisque je pensais qu'il y avait un heal, mais non. Eh ben tu sais quoi, vas-y, tu sais quoi, utilise tous tes heals DJ. Oui c'est unique. À ne pas confondre avec le film Abîme. Faut pas confondre avec la machine Abîme. Vas-y. Et bim ! Oui ! Tu dois avoir les deux, genre Director's Cut. Ah, c'est possible, ouais. J'avoue, il était trop bon cet indice, je comprends mieux. De quoi ?
Ah oui, on a chopé tous les Freddy. Tous les anciens Freddy aussi. Un double Blu-ray, 7 films je crois dedans, c'est ça. Ah, on s'est fait plaisir un peu au niveau film. Parce qu'on sait très bien qu'on va s'en battre dans tous les sens des films prochainement. Donc bon, autant en avoir quelques-uns de côté quoi. Allez, bon bah vas-y, j'avance hein. Ok, allez, cette fois on avance dans le jeu. J'arrête les allers-retours dans la rue à perdre mes heals pour rien du tout. Ah, ça c'est des films. Ah bah tout ce que j'ai cité normalement c'est du bon film. Enfin sauf Matrix 4. Je ne sais pas ce qui lui a pris, il s'est mis à éclater ce truc. J'ai dû le jeter dehors. Il a filé en hurlant qu'il allait tout réparer. J'ai récupéré ce que j'ai pu mais il manque l'un des boutons. La moitié du vinyle est encore à l'intérieur mais l'autre partie a disparu. Il a dû l'emporter. Quand j'y pense, il a couru en direction du Groovy. Bon, je devrais peut-être aller voir comment il va. Il vit dans Soul Street, près de la pharmacie, appartement numéro 9. Y'a rien. Perso, un classique, ça serait 2012. Comment ça? Abyss, les potes, Abyss. Vous confirmez, c'est un putain de grand classique de la science-fiction, Abyss. Comment ça, non, Yeratel? Comment ça, c'est pas un classique, Abyss? Oh ouais. Après, tu auras droit à Choupi contre la cafetière magique. Choupi se brosse les dents. Choupi à la courgette maudite. Choupi mange un donut. Choupi fait caca. Choupi fist fuck sa voisine. Ça, c'est la version quand ils seront couchés. Grand classique, peut-être pas. Mais comment ça, peut-être pas grand classique? Je l'ai toujours vu comme un putain de classique de la SF. Ah, moi je te le dis honnêtement, hein. Et là je vais me faire des ennemis, hein. Moi, Abyss, ça met 15 vitesses à du Star Wars, hein. Ah, mais de ouf, hein, pour moi. Ah, je défends mon bout de gras, merde. Jamais vu Abyss. Goal maté, il est long à mater, il est très très long comme film. Mais il est complètement ouf, l'ambiance du film elle est bien particulière, j'aime vraiment beaucoup. Bon, faut que j'aille au machin, je sais plus où là. Ah, comment il s'appelait? Merde, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, merde, de l'endroit où il m'a dit d'aller. Vous verrez tôt ou tard, vous verrez. Abyss, je suis curieuse. Oh oui, une pharmacie, merci Farloop, c'est ça. Il m'a parlé d'une pharmacie, mais il a dû l'entourer, je pense, le personnage, non? Ah, il y a Groovy Music. Résidence de Soul. Ah, putain de merde, attends, je suis où, là? Ok, là. Eh ben, on va aller à la résidence de Soul pour commencer. Des mecs, des lasers, un robot, tu copies, colle ça 7-8 fois, tu premier degré, rangez vos fusils. J'allais dire, dis donc, chérie. Ouf. On va avoir des manifestations avec des pancartes devant chez nous là, fais gaffe. Non, en vrai moi ça revient juste au fait que je sais pas, Star Wars j'ai jamais tant accroché que ça. Je peux regarder les films. Mais de là dire que j'aime, que je suis en mode waouh c'est trop bien, non tu vois. Genre ça sort au cinéma, bah j'y vais pas, ça m'intéresse pas tu vois. J'aime pas Star Wars alors tu as sans doute raison. Toi t'es un bon toi. Ça va Bouquille? Bon, l'appartement il est là, le numéro 9 il disait. Je l'ai pas vu le dernier Alien, honte à moi. Les derniers Aliens je les ai pas vus. Ok, je crois que j'en ai raté deux si je dis pas de conneries.
honte à moi et pourtant je suis fan de ça. Tu rentres comment là? Par là? Ok. Oula. Et ces scarabées, ils sont considérés comme des... Ah oui, comme des créatures de ténébreuses, genre... Tu es ténébreux? Top SF Inception Interstellar. Ok. Ah mais c'est vachement, vachement plus récent ça. Appartement 5 a laissé sa clé. Fuite qui viendrait d'en haut, à vérifier. Ok. Aha, here are the keys. Les Halloween, classique aussi avec Michael Myers, meilleur slasher. Oh j'adore, oh putain. Ah là tu parles à deux fans de Myers. Nous Myers on le kiffe. Bon t'as l'habitude qu'elle te fait peur toi. Mais à part ça on kiffe nous Myers. Et papier encore? Oh my god! Ok, bon, on s'en bat un tout petit peu les cacahuètes. 451$! Ouh, c'est cher! Ah, un gros heal! Y'a rien là. C'est le seul mec que je veux croiser un vendredi 13. D'ailleurs, c'est ma licence de slasher de cœur. Ah, c'est trop bien. Charme café. Ouais, ça fait du gros kawa là. Ou alors le café, tu le bois, putain, à un moment donné, tu t'endors pas avant 3-4 ans, quoi. Ah, là-bas. Je savais pas où il était. And you're dead! Petite question. Est-ce que j'aurais pas complètement oublié de fouiller un endroit là dans le jeu? Tout à l'heure, le jeu il m'indiquait pas qu'on pouvait rentrer dans des garages. Genre là où il y a des petites bandelettes. Ça veut dire qu'on peut se faufiler? Je me suis faufilé? Une heure après que ça me vient quand même en tête, hein. Une heure après que ça me revient. Le faufiler? Putain, je fais quoi? J'y retourne dans le doute, vas-y Nick. Je suis désolé, je vais devoir taper un vieil aller-retour. Je voulais dire, c'est une slow run, les gars. Moi, je suis pas là pour rusher le jeu, je suis pas là pour le finir en 3 heures là ou je sais pas quoi. Salut Scotty! Tu es sûr qu'il y a des trucs bien? Comme un super pistolet avec des super balles? C'était où? C'était. Ouais, de par là. J'ai pas le souvenir de t'avoir vu te faufiler. C'est pour ça qu'on te suit, c'est gentil ça chez Looks Like Me. Tamaropix, Waterworld et The Postman de Finn sous côté mixeur. Waterworld j'aime beaucoup ouais. Après je sais pas, c'est vrai que je suis particulièrement marqué par l'ambiance d'Abyss. Il y a une ambiance tellement chelou en fait, c'est pour ça. DJ il savoure le jeu, il déguste chaque pixel. Ouais quand je meurs aussi. Normalement ça doit être par là. Ok, je me suis complètement trompé de route, c'est ça? Comment je suis arrivé par là là? Attends, parce qu'il y a le Camtar qui est là, mais va falloir que je regarde Abyss, ça me donne envie de me le remater moi aussi, tiens. Ado, c'était top quand même, j'avais l'impression d'être dans le foie bouillé avec l'eau. Ah, excellent! Ah ouais, l'ambiance devait être tellement ouf à l'époque de sa sortie officielle. Il est sur Netflix, Abyss? J'en ai aucune idée, moi je le voulais absolument en Blu-ray pour ma collection de Blu-ray. Enfin, j'ai pas une vraie collection de Blu-ray, mais... Mais il y a des films comme ça que je veux absolument avoir en physique, tu vois. Ah, mais tu cherches le garage du début? Ah, j'étais obligé de passer dedans, je sais pas, vu qu'on discute depuis tout à l'heure, je t'avoue qu'il y a des trucs que je me rappelle pas. Ah bah si on est obligé. Ah bah je l'ai fait, c'est bon, merci Tortank. Heureusement qu'il y en a qui suit, ouais c'est clair.
Utilise la PS5 pour les Blu-ray. Non, on a un lecteur Blu-ray dans le salon. On a un petit lecteur. On avait pas payé ça cher, on avait payé ça 50 balles, je crois. Ça, je me rappelle l'époque. L'époque, tu sais qu'il a existé une époque où quand les lecteurs Blu-ray venaient de sortir, acheter une PlayStation 3 coûtait moins cher qu'acheter un lecteur Blu-ray. Sauf qu'une PS3 avait un lecteur Blu-ray. En fait, ça faisait de la PS3 le lecteur Blu-ray le moins cher du marché. T'avais ton premier ennemi juste après. Ouais. Hey yo, James Pattergirl! J'ai fouillé ces salles là? Ouais, ça j'y suis allé forcément. Laissez-moi voir au regard pédard. Aucune capteur, avec tout est clair. Laissez-moi voir mon Ricard pédard. Laissez-moi boire mon Ricard pédard. Laissez-moi boire mon Ricard pédard. Tu es fou, fou elle, comme ça. Bonjour, je cherche une île. Bonjour, bonjour. Ou un pistolet. Ou un fusil de la pompe. T'es le pompe. Cara. Ah, merde. Il voulait faire un truc. Heureux. Je suis curieux de voir les moments où on va switcher dans le monde des ténèbres. Le monde qui pue. On va appeler ça le monde qui pue, ça vous va? Il va falloir aller là, of course. Je suis vraiment curieux de voir l'ambiance que ça va jeter dans le monde qui pue. Oh, j'ai cru qu'on était sur Dark Souls, les gars, j'ai cru que j'allais débloquer une échelle. Le monde de la joie cachée. Ouais, ouais. On va pas courir, on sait jamais, tu vois. Le monde qui pue, il est vachement ressemblant à mon calmar avec deux kebabs. C'est marrant, je crois qu'on est tous pareils. Et puis, elle est apparue et, tout, et a tout balayé. Ma vie a commencé à retrouver un sens. C'est cet endroit. Je ne peux pas lutter. Je dois avoir l'esprit clair. Arrêt rapide au Texan. Puis, on part. On part. Quoi? Comment? Encore. Hein. Vous foutez, en fait, elle s'auto-fout de sa gueule. Parce que là, vous voulez faire descendre de texte, elle a essayé avec sa souris. Mais je sais que vous êtes souvent à le faire sur le chat, ça. Ça arrive souvent quand même, hein? Attends, j'ai un gros heal? Oui, j'ai que un gros heal. Enfin, j'ai un gros heal et d'autres choses qui sont grosses, mais. L'audace, par exemple. Quoi? Oh! C'est quand même c'est marrant de parler de grosses choses au même moment, je vois un gros trou devant moi. Pour y insérer quelque chose de gros, hein? Tu peux le dire? Ah, je fouille, hein? Je fouille? Ouais, je fouille. Salut, Don Macaria! Oh là là! J'ai l'impression que je fais une erreur là. Qui ferait ça? Absolument personne. Bah, je sais pas ce qu'il va m'accueillir, mais. What the fuck? Un bouton de jukebox. Je pensais que ça allait être en mode cinématique, mais non. Okay. Non mais déjà, quand tu vois un trou dans un mur, déjà, t'as pas le premier réflexe, c'est pas d'y insérer un bras. Tu vois. T'habites grand max, tu vois.
Déjà, t'insères ton bras. Mais en plus de ça, après avoir passé cette première étape, tu te dis, attends, déjà, je suis pas très net d'avoir foutu mon bras là-dedans. Mais là, t'arrives au bout et là, tu te dis, eh, c'est visqueux, c'est quoi ça? Ah, mais c'était le cas. Et là, dans le visqueux, tu repères un machin un peu dur qui ressemble à une touche d'ordinateur. Et dans ta tête, tu te dis, oh, c'est ça que je venais chercher. Sans oublier de chercher le projet, très important. Et dans chaque trou se trouve un bouton de jukebox, c'est la morale de l'histoire. Siri, t'as un bouton de jukebox? T'as un bouton de jukebox? Faudrait que j'aille vérifier. Bon, par contre, il y a un truc qui m'inquiète, c'est qu'il y a une salle tout à l'heure que j'ai croisée, j'y suis pas allé. Donc, bah, je vais y aller. En fait, avant de continuer le chemin, parce que là, clairement, je suis en train d'avancer là. Ah, mais non, je peux plus. Ah, bah oui, il me peut revenir derrière, débile. Et oui, il me faut un truc qui s'est effondré, bordel. Oh mon dieu, oui. Yo le Ursoft. Où? Ok, tout ça pour pouvoir revenir dedans, c'est ça? Bon. Je vais peut-être pouvoir la fouiller, ma putain de pièce! T'es où déjà? Je ne sais plus où était le truc. Ah, c'était à l'étage, non? Je crois. Ou là-bas? Je sais plus. Non, on peut pas ouvrir. Là, on peut ouvrir. Ah oui, si, je t'ai déjà récupéré. Non, c'est bon. Salut, Louvalfa, ça va et toi? Ouais, c'était à l'étage, il me semble aussi, ouais. Et à droite là. Ça. Salut Elwood. Non, pas du tout Elwood, c'est pas du tout le même studio de développement. Là on est sur Bloober Team, c'est les mecs qui ont fait les Layers of Fear et tout. Bonne app Bafolio. Je sais que ça vient de cet appartement, je n'arrête pas de leur dire. Pourquoi ne réagissent-ils pas? C'est insupportable, j'ai l'impression que ça se faufile sous ma peau, que ça s'infiltre dans mes poumons. C'est quand tu fumes un pétard ça, non? Ça ressemble un peu à ça. Hein. Dans tous les cas, c'est toujours mieux qu'Elden Ring. Allez, bonne soirée tout le monde, salut. Je ne peux pas lire des idées psy pareilles, putain. On est d'accord que depuis tout à l'heure, tout ce que je fais, c'est trouver des bouts de papier, là. Tu sais que je suis vraiment en train de me demander si je suis pas en train de fouiller un peu trop vite, là. Et qu'en fait, le jeu m'a pas généré de balles. Non, mais c'est une dinguerie, là. J'ai l'impression d'ouvrir des pièces dans tous les sens, il y a jamais rien à y trouver quoi. Bon bah vas-y, ciao. Allez, ciao, ciao quoi. Non mais ciao. Chérie, ciao. Tellement d'accord avec toi, mais arrêtez un peu. Arrêtez un peu, Elden Ring, meilleur jeu. Meilleur jeu ever. Ever. Mais ever de chez ever. C'est bon, infini, j'ai vraiment cru que t'avais coupé le stream. Mais non, Kara. Never, tu as fourché.
J'ai une fourche. On va le groovy music, hein. Vas-y, go. La fourche pour la papaye. D'ailleurs, je sais que DJ déteste les Dark Souls, mais à un stade... Ah oui, oui, c'est... Si tu essaies de sortir de la ville, c'était un mur invisible ou ça fait genre... Alors pour l'instant, j'ai pas eu moyen de trouver une limite de la map. Enfin, les limites de map étaient des grands murs pour l'instant. Des débris, des murs... Ah bâtard, ah bâtard, ah bâtard. Attendez, on a un problème. On a des problèmes de... Comment dire? Il y a des saloperies là. A plus, Ursof. Il y a un problème de monstre, ouais. Donc là, t'es en train de me dire que t'es un troisième qui se ramène? C'est quoi ça? Ah non, il y en a un là-bas. Là, il est revenu chez lui. C'est bien que DJ Kiff, sa mère, joue à Donf sur Apex aux arts. Oui, exactement. Tellement des jeux qui transcendent mes émotions. Bah, par contre, tu vas sortir là? Oh l'or! Mais arrête, hein! Je peux rien faire. J'aimerais trop qu'ils fassent un remake du 1 après ça. En fait, je comprends pas pourquoi ils ont fait un remake du 2, en fait. Moi, c'est surtout ça. Je me dis, les gars, pourquoi faire le 2, pas le 1? Quitte à faire des remakes, autant partir depuis le début, non? Enfin... Non. Non mais ça craint, moi je peux rien faire, je vais juste crever en fait. Ils sont combien là-dedans quoi? C'est bon, ils sont sortis, on y va. On va fouiller. On va fouiller! Ouais, elle est bien ton affiche, salut! Bris de verre, détruire 50 vitres, allez hop! C'est quoi ça? Ou de la glu! Colle pour vinyle, ouais! Et voilà! Ok, un morceau de vinyle, du coup on va recoller plus tard. Donc là t'es en train de me dire qu'il y a genre rien quoi. Enfin, j'ai looté quand même un élément important. On dirait vraiment que je suis en train de braquer le magasin. Excusez-moi. Ah, excusez-moi. Non mais j'avoue que c'est bizarre comment ça se comporte le jeu, parce que j'ai vraiment l'impression de jouer à Resident Evil là. Non mais sur un élément très précis, la porte qui s'est pas ouverte de dos. J'ai reculé dans la porte, elle ne s'est pas ouverte. Sauf que Resident, ça fait genre la même chose de souvenir. Oh, dis donc, c'est quoi ça? Mais première punition de pingouin. C'est des punitions de pingouin. Chérie, on va tirer des petits becs de pingouin. Comment? Je peux tirer des pingouins direct si tu veux? Juste les becs? D'accord. Salut Katine Gabe! Comment ça va? J'allais dire c'est Léon. De dos, ça ressemble un peu. Bon, il est un peu moins BG de la street, je t'avoue. J'ai looté des pingouins, les gars! Bon. Ok. Ça, c'est Keblo! C'est Keblo! On va aller au Texan Café du coup là. On va me vérifier, mais là ouais c'est ça, tout est fermé ici. Everything is closed.
Ah ouais, dos c'est le même. Ouais, oh, ouais, ça ressemble de ouf. Ah non, pas par là. Allez, bouloulou, on sait que t'as mal au cul, on sait que t'as mal au pied, mais c'est pas grave. On va le faire. On va le faire. Non mais calme-toi, Jean-Michel Braguette là. Ah, deuxième Jean-Michel Braguette ici, bonjour. Enchanté. Ok, encore un peu plus loin, juste avant le blocage de la map. Gentleman style. Ok, ici. De toute façon, on y a été. On y a déjà été. Et à la base, il y avait même... c'était ici qu'il y avait un mob par terre. Non, je sais plus. Ok, tu veux que je fasse quoi ici? What do you want me to do there? On va pas ouvrir là. Vous êtes chaud pour une tilde. Oh oui, putain, putain. Mais ouais, tu fais bien de me le dire. Il est 20h31. Qu'est-ce que tu fais avec ton couteau là? Oh, on aurait dit une tueuse. Elle avait ce couteau dans les mains comme ça. Genre elle le tenait, genre comme ça. Bon, c'est une pincelle, hein, je la mets. Genre elle le tenait comme ça. Oh bah, j'ai faim ça. Il va buter qui là? Par contre, récupération d'un heal, et ça c'est bien ça. Bon, bah, on va aller save alors. Hein. On va aller save. Installez-vous, mettez-vous à l'aise, mesdames et messieurs. On va partir sur la suite d'Until Dawn. Je sais pas si on va le finir ce soir, je pense pas. Mais en tout cas, on va s'approcher de la fin de soir. Et du coup, je l'avais fouillé, ça, j'ai vu. Tant que j'y suis, tant que j'y suis. Oui, oui, je l'ai fouillé, ça. Meurtre à la pince à linge. Je suis sûr que c'est encore plus long que le meurtre le plus long avec l'arme la plus inefficace du monde. Et si vous connaissez, c'est quoi l'arme la plus inefficace du monde pour faire le meurtre le plus long du monde? Tu vas voir le chat, Thierry. Tu vas briller. C'est ce qu'ils savent, je suis sûr. T'as vu? Comment? Hyper dangereux. Mais parce que tu connais pas, c'est une vidéo en fait. C'est une vidéo où t'as un mec qui, je sais plus pour quelle raison, chasse un autre mec, mais il le chasse de manière totalement lente, en marchant. Pour lui mettre des petits coups de cuillère comme ça. Et en fait, c'est le meurtre le plus long avec l'arme la plus inefficace du monde. C'est ça, de souvenir, hein? C'était ça, il me semble, hein? Non, c'était un mec, il suivait extrêmement lentement pour lui mettre des petits coups de cuillère gentils comme ça. Bon. Boucher, bouchère des enfers. Je vous retrouve dans un instant avec la petite fouifou. On va se poser tranquille pour continuer la suite de Until Dawn. Pour Until Dawn, on le fait ce soir et demain on devrait le terminer. Donc après, on sera full Silent Hill, ok? Du coup, eh ben merci à ceux qui ont regardé ce premier L-Type sur Silent Hill. Des bisous sur ton trou.